Bonjour à tous. Cher monsieur Hamelin, voilà, j'ai composé ce morceau envoûtant pour permettre à Pesky ici présent de s'occuper de ses noix. Ah. Arrête ça! Voilà une remarquable première approche de la manipulation musicale. À qui le tour? Veux-tu venir, Mélodie? Avec plaisir, papa. Mon morceau va guider cette petite souris vers le fromage qui se trouve au bout de ce labyrinthe. Et maintenant, pour compliquer un peu la chose... Avec des platines, tu n'arriveras pas à en prendre le contrôle. Papa, je peux le faire. Oh mince, j'étais persuadée que ça marcherait. Je peux pas m'arrêter de danser. Que se passe-t-il? La musique de Mélodie qui nous fait danser. Mais enfin, que signifie tout ça? Qu'est-ce qui nous arrive? S'il vous plaît, m'arrêtez de danser. Moi non plus. L'école toute entière ne peut plus s'arrêter de danser. Tout est de ma Mélodie, faute. Mélodie, comment peut-on s'arrêter? Il faut que tu arrives à faire danser tout le monde en rythme. Hé, hey, Raven, je crois que cette rythmique a besoin d'un petit remontant. Voilà, c'est ça. Tendez bien les oreilles, DJ Piper va vous secouer. Hein? Très bien, allez, suivez-moi. Accrochez bien vos couronnes, car DJ Piper va maintenant faire opérer la magie. À présent, je dédicace ce petit morceau à tous les rebelles. J'ai été brisée. Vraiment, je te tire mon chapeau. Rejoue le morceau, DJ Piper. Fais-nous bouger, Mélodie. Bien joué, Mélodie. 20 sur 20. Tu la vois, elle est tout là-haut. Oh, j'ai regardé. C'est deux fois rien. Ne vous en faites pas, les amis. Gillian prend les choses en main. C'est là que ça se corse. Wow, comment fait-elle pour ne pas avoir peur de tomber? Elle est à 1 kilomètre de hauteur. Et le remercier pour le prêt. Salut, prêt. Est-ce que ça va? Gillian, il faut que tu m'apprennes comment tu fais et à être courageux. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Je t'en prie, je te donne ces 5 haricots. Ils sont magiques? Non, ils sont normaux. Ça me va, allons-y. Je suis à quelle hauteur? Ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Je ne peux pas être en hauteur. Ça me fait trop peur. Peut-être que l'escalade, ce n'est pas trop ton truc. Ça ne t'empêche pas d'être assez incroyable, Humphrey. Quand tu restes au niveau du sol, ne réfléchis pas trop. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Je le fais. Par ma couronne! Serait-ce Humphrey Dumpty en train d'escalader le haricot magique? Oh non, il est en difficulté. Je peux le faire. Je peux le faire. Saute jusqu'à moi. Je n'y arriverai jamais. Je n'en suis juste pas capable. Ah, Humphrey, aide-moi. Gillian. Humphrey, tu as réussi. Quand tu t'es dit que j'avais besoin d'aide, tu l'as fait. Je dirais que tu es plutôt courageux. Tu as un parachute, n'est-ce pas? Oui.
Le château de glace au sommet du monde. Applewhite et Madeline Hatter avaient décidé de s'y rendre afin de tout connaître de l'hiver pour leur devoir de classe sur les saisons. Bon, Madeline, qu'a-t-on pour l'instant pour notre compte rendu? En hiver, il fait froid. Quand Ashlyn et là apprit qu'Apple et Madeline faisaient des recherches sur l'hiver, eh bien, elle insista pour qu'elle parte à la rencontre de sa vieille amie de l'école primaire. Crystal Winter. Apple, Madeline, vous voilà. Et vous êtes frigorifiée. Vous avez l'air d'aller glacialement bien. Suivez-moi, je vais vous montrer comment on fabrique l'hiver. Depuis toujours, ma famille et les fidèles sujets de notre royaume sont responsables de la venue de l'hiver à Ever After Ice. Chaque flocon de neige est minutieusement inspecté pour s'assurer qu'il n'y en a pas deux semblables. Jackie Frost et Northwind, ici présents, sont en cours d'inventaire. Hey, on s'amuse merveilleusement bien. Vraiment? Je croyais que tu trouvais l'inventaire. Oh! Venez, nous allons à la salle du trône. Hey! Alors, quand vous avez dit que vous vous amusiez, en fait, vous étiez sarcastique. Bien sûr que non. On adore ce travail. On peut compter et il y a des flocons. Que demander de plus? Mais attends, le mieux serait peut-être que tu essaies. Qu'en dis-tu? Oh, seriez-vous d'accord? C'est fantastique! Voyons voir. Un, encore un, et deux. C'est l'heure du thé, s'il vous plaît. Oh, on peut ralentir un peu. Tu sais quoi, Jackie? Tu peux parfois être glacial. Eh bien, je suis également enchanté de faire votre connaissance, Mademoiselle White. Nous sommes de grands admirateurs de votre mère. Merci, vos majestés. C'est vraiment incroyable. Et maintenant, je vais devoir tout recommencer. Un, encore un, et deux. Êtes-vous prête pour une après-midi incroyable à faire la fête? Oh, ouais. Moi aussi, je suis impatiente d'aller à la fête de Hunter. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop habillée pour une célébration d'été? Je voulais aller à la fête de Hunter, mais c'est la cérémonie de Fée Belle aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'a lieu la cérémonie? C'est écrit sur le carton d'invitation. Venez fêter Fée Belle sous toutes ses coutures lors de ce rendez-vous d'enchantement obligatoire. Si vous ne venez pas, je ne manquerai pas de vous jeter un sort. Ça me semble juste. J'avais tellement hâte de pouvoir enfin aller à la fête de Hunter. Oh, si seulement il existait un moyen d'assister à ces deux fêtes. Hé hey! Bienvenue. Prenez un instant pour regarder où se trouvent les cartes avec vos noms. Vous trouverez à vos places une liste amusante d'anecdotes concernant Fée Belle qui vous aideront à entamer des conversations à mon sujet. Merci de nous avoir invités, Fée Belle. C'est vraiment impressionnant. Oh, nous avons complètement oublié les cupcakes. Les cupcakes? Nous en avons préparé. Des cupcakes Fée Belle. Avec la photo de Fée Belle. Enfin, de toi. Ne vous en faites pas. Il y a plein de choses à manger ici. Non. Hein? On revient. C'est bon, on va réussir à aller aux deux fêtes. On est si intelligente qu'on mériterait de plus grandes couronnes. Ashlyn, hey! Je ne pensais pas que tu viendrais. Bonjour les filles. Où êtes-vous les filles? Vous allez manquer le diaporama sur Fée Belle. Où étiez-vous? Où sont les cupcakes? On les a mangés. On ferait mieux d'aller en faire d'autres. Où êtes-vous les filles? Je sais, vous êtes partie discrètement pour pouvoir vous rendre à l'autre fête. Maintenant, vous pouvez être sûre que je vais vous jeter un sort. Attends, es-tu au courant qu'ils ont installé un carrousel à l'autre fête? Pas vrai, les filles? Il suffisait de fusionner les deux fêtes. Youhou! À
présent, il ne nous reste plus qu'à choisir quelle tenue porter. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.